Alléluia. Je dis shalom à toutes, shalom à tous. Je voudrais souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Je voudrais rappeler à ceux qui ne le savent pas, notre programme est disponible sur YouTube. Vous pouvez chercher Verbe Divin TV. Et si vous vous branchez, vous pouvez vous abonner et vous verrez également une cloche des notifications. Quand vous cliquez dessus, chaque fois qu'il y aura un message, vous aurez l'alerte. Alléluia. Y en a-t-il qui ne l'ont pas encore fait? Si vous ne l'avez pas fait, demandez à votre voisin, à votre celui, celle qui est à gauche, à droite. Dites-lui, est-ce que vous vous êtes déjà abonné? Demandez, je vous accorde, demandez à votre voisin, est-ce que vous vous êtes déjà abonné? Verbe Divin TV, est-ce que vous êtes abonné? Demandez, s'il n'est pas abonné, il va sur YouTube, il cherche Verbe Divin TV et il va s'abonner. Dis-lui, si tu n'es pas encore abonné, fais-le aujourd'hui. Et ne mens pas, Dieu t'a écouté. Dis-lui, ne mens pas. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Dieu a fait un nouveau jour pour nous, un jour de paix, de joie, de bénédiction. Et je ne doute pas que Dieu va nous bénir. C'est pas moi, Dieu va nous bénir. Alléluia. Je me rends ces jours nous proposer trois textes de lecture. Nous allons lire abondamment l'Ancien Testament. Nous sommes dans le premier livre de Rois, un roi, le 11e chapitre. Un roi, chapitre 11, verset 26 jusqu'au verset 32. Un roi, chapitre 11, verset 26 jusqu'au verset 32. Nous lirons ensuite les livres du prophète Ésaïe, chapitre 22, du verset 20 au verset 24. Ésaïe, chapitre 22, du verset 20 au verset 24. Et pour cette première lecture, nous allons lire le prophète Jérémie, les premiers chapitres, du 8e au 10e verset, une portion que nous connaissons, Jérémie, les premiers chapitres, du 8e au 10e verset. Si vous me permettez, si vous êtes d'accord avec moi, nous pouvons commencer avec la première lecture. Vous êtes d'accord? Nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Je peux lire un roi. Un roi, chapitre 11, la Bible dit, Jéroboam aussi, serviteur du roi Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, éphratien de Tséréda. Il avait pour mère une veuve nommée Tséroua. Voilà à quelle occasion Jéroboam leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père, verset 28. Jéroboam était fort vaillant et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens des corvées de la maison de Joseph. Dans ces temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans le champ. Verset 30, Achija saisit les manteaux neufs qu'il avait sur lui, les déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car c'est ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher les royaumes de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David, à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Ésaïe, chapitre 22, le verset 20, la Bible dit, en ces jours, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique. Je le ceindrai de ta ceinture. Je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Et je mettrai sur son épaule la clé
de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père. Des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ces jours, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sera enlevé. Il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Jérémie, le premier chapitre, le verset 8. Jérémie, le premier chapitre, le verset 8. Une prophétie forte, voici ce que dit les Saintes Écritures. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et regarde, observe. J'ai établi sur les nations, j'ai établi sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole du Seigneur? Les thèmes que je m'en vais nous proposer à atteindre, si tu lis, Dieu veut établir. Dieu veut établir. Alléluia. Dieu veut établir. J'ai parlé parfaitement Lingala comme le pasteur Mbo. J'aurais pu dire Zambalingi ko fandi sanangwende. Alléluia. Zambalingi ko pesa bukunzi. Alléluia. Zambalingi ko pesa mpifo. Zambalingi ko pesa nguya. Dieu veut établir. Dans le premier texte que nous avons tiré du premier livre de Rois, dans le chapitre 11, il s'agit d'une prophétie forte donnée par le prophète Achish de Silo. Il s'adresse à Jéroboam, qui n'est pas de la lignée de David, qui n'est pas de la lignée de Salomon, qui en réalité est serviteur. Serviteur dans la maison du roi. Mais le prophète Achija, qui est un manteau, qui porta son manteau, qui symbolise l'onction, le pouvoir, l'autorité, il prend son manteau neuf, il les déchire en 12 morceaux qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et il prend quelqu'un qui n'est pas de la lignée royale. Comme s'il voulait établir dans les sacerdoces à l'époque quelqu'un qui ne descend pas de Lévi. Et pour le faire, il doit changer la loi. Parce que pour établir sacrificateur, quelqu'un qui n'est pas de la lignée de Lévi, il faut changer la loi. Si tu ne changes pas la loi, ce sacerdoce est impossible. Alléluia. Et voilà qu'Achish prend 10 tribus sur les 12. Il donne à quelqu'un qui n'est pas de la lignée royale, quelqu'un qui est serviteur. Il en fait un roi. Dieu, comment peut-il faire des choses comme ça? Il prend un serviteur. Il veut en faire un roi comme ces jours-là. Il va prendre Esther qui n'était qu'une déportée juive, qui n'était qu'une esclave. Et veut l'établir dans la royauté pendant que le trône n'est pas vacant. Pendant qu'il y a une personne qui porte la couronne royale. Et Dieu, dans sa souveraineté, décide d'établir une déportée, quelqu'un qui n'est pas dans la lignée. On dirait quelqu'un qui ne mérite pas. Dieu décide de manière souveraine de lui accorder l'autorité, l'élévation, la dignité, de lui établir le pouvoir. Il pouvait dire, je ne mérite pas. Comment est-ce possible ce jour-là? Lorsque le messager de l'Éternel, l'ange Gabriel, alla vers Marie et lui apporta le message de l'Éternel pour lui dire, tu enfanteras, il dit, comment est-ce possible? Ce que tu me dis, comment cela se réalisera-t-il? L'ange avait dit, ne crains point, parce que l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Dieu dit, il veut établir quelqu'un
Aujourd'hui, tu peux me demander comment est-ce possible. J'ai dit, il y a un Dieu dans le ciel. Alléluia. Un Dieu qui décide de sa manière. Il y a un Dieu dans le ciel. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut et de la manière dont il veut. À l'époque, les gens qui étaient à la piscine de Bethesda attendaient que l'ange de l'Éternel descende, qu'il agite l'eau, afin que celui qui s'est jeté les premiers soit guéri. Mais ce jour-là, Dieu avait changé des règles. Il dit, je n'enverrai pas l'ange. Le verbe incarné, le verbe de Dieu, le verbe divin en chair, vint ce jour-là, trouva ces malades de 38 ans, il dit, veux-tu être guéri? Il dit, non, les principes, les règles, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Si tu ne le sais pas, je vais te décrire la manière dont on obtient la guérison ici à la piscine de Bethesda. L'ange de l'Éternel descend, il agite l'eau. Celui qui se jette le premier, il est guéri. Mais moi, je n'ai personne. Dieu n'est pas obligé de suivre un schéma. Alléluia, j'ai dit à quelqu'un, il y a un Dieu dans le ciel. Peu importe, tu dis non, je ne réponds pas aux conditions. Ce ne sont pas les critères, ce n'est pas les cursus, les chemins qu'il faut suivre. Il pouvait dire à Achisa, mais comment peux-tu me donner 10? Je ne suis pas de la descendance de David ni de Salomon. Alléluia. De la même manière que la royauté avait été arrachée à Saül et donnée à David. Ces jours-là, par la bouche d'Achisa de Silo, Dieu arrache 10 tribus et les donne à Jéroboam. Pendant que Jéroboam, qui était de la postérité de Salomon, n'en gardant que 2. Comment est-ce possible? Dieu a décidé. Alléluia. Lorsque Dieu te promet l'élévation, cela peut dérouter la science, la connaissance de l'homme. On cherche à comprendre. Dieu dit, il va t'élever. Tu dis, mais qui présentera mon dossier au chef de l'État? Comment cela se fera-t-il? Non, tu n'as pas besoin de savoir comment cela se fera. Il y a un Dieu dans le ciel qui va se charger de créer les conditions. Alléluia. Esther ne savait pas, mais Dieu avait fait que Vassi désobéisse. Alléluia. Dieu avait promis à ce que les frères de Joseph puissent se prosterner devant Joseph. Mais les frères de Joseph vont le vendre aux Amalécites, aux Ismaélites. Ils disent, nous verrons comment cette promesse va s'accomplir. Alléluia. Le psalmiste dit dans le psaume 115, Dieu appela la famine. Dieu peut créer les conditions nécessaires pour que sa promesse sur toi puisse s'accomplir. Alléluia. Dieu appela la famine. Il ferma toutes sources de subsistance. Et enfin, Israël devait se rendre en Égypte pour que son plan s'accomplisse. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'obéir aux principes. Il fait les choses à sa manière. Il peut dire à Moïse, tu frapperas les rochers donnera de l'eau. Après, le même Dieu dit, tu parleras aux rochers. Dieu, mais je dois frapper. Il dit, non, tu ne frapperas pas, tu parleras. Dieu est puissant. J'ai dit à quelqu'un, il y a un Dieu dans le ciel. Il fait les choses à sa manière. Et quand il décide de t'établir, cela dépasse notre entendement. On se demande comment cela se réalisera-t-il. Nous n'avons pas besoin de comprendre. Nous n'avons pas besoin de savoir. Nous ne posons pas des questions du genre comment ou pourquoi. Nous savons seulement qu'il y a un Dieu qui fera cela. Alléluia. Alléluia. Il dit, il pouvait même arracher les 12 tribus. Mais il dit, à cause de la promesse, c'est important. Il avait fait une promesse à David, il y aura toujours ton successeur sur le trône. Mais bien avant David, il avait dit à Juda. Il a dit à Juda, les bâtons souverains ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que apparaissent les Shilohs. Enfin, les bâtons souverains ne s'éloignera pas de toi. Dieu dit, je me souviens de ma promesse. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, Dieu se souvient de la promesse. Dieu n'a pas oublié sa promesse. Il se souvient de la promesse. Alléluia. Les bâtons souverains ne s'éloignera pas de toi. Comment cela se réalisera-t-il? Dieu seul sait. Alléluia. Dieu seul sait. Il a décidé d'arracher la royauté d'entre les mains de Salomon. Mais à cause de la promesse faite à David, il va garder Juda. Il va garder Jérusalem, sa ville sainte, là où son nom est invoqué. J'ai dit à quelqu'un, Dieu se souvient de sa promesse. Là, nous parlons de ce qui est devenu plus tard le royaume du Nord. Mais dans Ésaïe, chapitre 22,
de s'adresse au royaume du sud. Et Dieu appelle quelqu'un qui en réalité ne devait pas l'être, qui n'était que aussi comme Jéroboam, son serviteur. Dieu appelle Éliakim. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 22, le verset 20. La Bible dit ceci. Il les revêtira de ta tunique. Il est en train de dire, je lui donnerai de l'autorité. Je lui donnerai de l'encendant. Quand il parle de la tête, c'est la supériorité. Quand il parle de la tête, c'est les degrés élevés. Quand il parle de la tête, c'est la direction. Je les revêtirai de ta tunique, je les scindrai de ta ceinture. Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il parle de Éliakim, fils d'Ilkija. Il y sera comme un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Et cette promesse, qui en réalité, que Ésaïe considère Éliakim comme même le type de Jésus-Christ, parce que dans l'Apocalypse, dans la révélation de Jean, cela est reconnu à Jésus-Christ. Il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand nous lisons Apocalypse, il est dit de Jésus-Christ, quand il ouvre, personne ne ferme. Et quand il ferme, personne n'ouvre. Et il est en train de donner de l'ascendance à Éliakim. Comme si c'était lui le roi. Dieu fait ce qu'il veut. Je dis à quelqu'un, Dieu veut t'établir. Je dis à quelqu'un, Dieu veut t'établir. Je l'ai dit en lingala, nzambalingi ko peso bokondi. Je l'ai dit encore en lingala, nzambalingi ko fandi sa wana kiti ya bokondi. Je l'ai dit encore en lingala, nzambalingi ko peso yongwende. Dieu veut te donner de la supériorité, de l'autorité. Alléluia. Dans ta famille, il te donnera la supériorité. On va se référer à toi, quel que soit ton âge. On te cherchera de la même manière qu'on avait cherché Jephté. Jephté qui avait été rejeté. On a dit de Jephté, il n'héritera pas de nous parce qu'il est fils d'une autre femme. Dans d'autres versions même, on dit il est fils d'une prostituée. Il n'héritera pas avec nous, nous les enfants légitimes. Mais lorsque Dieu élève, il ne regarde pas qui est ta mère. Lorsque Dieu veut élever, j'ai dit, Dieu lorsqu'il veut élever, il ne regarde pas ta racine. Peu importe, il va t'élever. Et ceux qui t'avaient rejeté viendront te chercher. Ils ne viendront pas te chercher pour que tu sois l'un d'eux, mais pour que tu sois leur chef. J'ai dit à quelqu'un, Dieu veut t'établir. Alléluia. Il dit, je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Quand il enfonce, c'est difficile de ressortir ce qui a été enfoncé, ce qui est pénétré. Alléluia. Et plus tard, par la bouche du prophète Jérémie, dans le premier chapitre, le verset 8, il dit, ne les crains point. Il voulait dire, peu importe leur nombre, peu importe leur taille, peu importe leur expérience, ils peuvent être comme Goliath, des combattants depuis la jeunesse. Ils sont nés dans le combat, comme ces riverains qui n'ont pas appris à nager, qui sont nés nageurs, parce que lorsqu'ils étaient nés, ils se sont retrouvés dans les eaux profondes. Ils ont grandi comme ça, sachant nager. Quand tu leur demandes, quand as-tu appris à nager, je ne le sais. Je me suis réveillé sachant nager. Ils étaient bébés, on les mettait déjà sur l'eau. Mais Dieu dit, ne les crains point. Ils étaient des combattants depuis l'enfance, ne les crains point. Ce sont des sorciers, des démons. Ils invoquent des mots, ils poussent des sifflements. Ils descendent dans les eaux profondes. Dis, ne les crains point. Ce sont des marabouts, des magiciens, des enchanteurs, des sorciers. Ne les crains point, j'ai dit à quelqu'un, ne les crains point. Parce que l'autorité que Dieu va te conférer est supérieure à ce qu'il possède. Ne les crains point, parce que il dit, je suis avec toi. Parce que je suis avec toi. Et comme Paul s'écriait aux Romains, il pouvait dire, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Ce sont des sorciers, ne les crains point. Ce sont des magiciens, ne les crains point. Ils pratiquent des sciences occultes, ne les crains point, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche.
Jérémie était en train de dire, je ne suis qu'un enfant. Peu importe. Peu importe. Le même langage était dans la bouche de Gédéon. Quand l'Éternel lui dit, vaillant héros, tu délivreras Israël de la main des Madianites. Il voulait présenter son CV, son curriculum vitae à l'Éternel. Il dit, je vais te présenter. Peut-être que tu t'es trompé. Je suis de la demi-tribu de Manassé. Et dans la demi-tribu, ma famille est la plus pauvre. Et dans ma famille, je suis le plus petit. Je ne réponds pas aux critères, je ne remplis pas les conditions. Tu peux chercher quelqu'un de plus vaillant, de plus valeureux, de plus compétent, de plus équipé, de plus outillé. Dieu a pris les choses faibles du monde pour confondre le fort. Ce que les gens méprisent, ce que les gens ne regardent point avec respect. Ce qui n'existe point pour confondre ce qui est. Alléluia. Il dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Dieu dit à Jérémie, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes. Il lui donne un pouvoir exorbitant, un pouvoir exagéré. Il lui donne le pouvoir d'arracher, d'abattre, le pouvoir de ruiner, de détruire, afin qu'il puisse bâtir et planter. Alléluia. Dieu dit à Jérémie, j'ai été établi aujourd'hui. Je rappelle notre thème, Dieu veut établir. Alléluia. Dieu veut établir. Je m'en vais poser le fondement de cet enseignement, le socle sur lequel le reste va se bâtir. J'aimerais parler de quelques concepts essentiels aussi, de ces personnages sur qui semble porter cette prophétie d'Ésaïe, Éliakim. Premièrement, dans l'introduction, je parle des termes essentiels, mais aussi du personnage clé qui est Éliakim. Éliakim veut dire Dieu veut établir. Alléluia. Éliakim veut dire Dieu veut établir. Il veut donner du pouvoir, de l'onction, de l'autorité. Et quand Dieu veut établir, il va au-delà des lois terrestres, au-delà des principes. Parce que lorsque ce jour-là, Christ vint, Christ changea les sacerdoces. Christ n'est pas sorti de Lévi, mais de Judas. Et donc, en tant que tel, Christ avait établi un nouveau sacerdoce, pas d'après l'ordre de Aaron, mais d'après l'ordre de Melchisédek. Dieu veut établir Éliakim. Éliakim était gouverneur au palais d'Ézéchias. Mais tel qu'on parle de lui, comme si c'est lui qui était le roi, parce qu'on lui donne un pouvoir exorbitant. Et Dieu dit qu'il lui donnera même la clé de la maison de David. Nous allons nous souvenir de ce gouverneur Éliakim. Lorsque le roi d'Assyrie, Sanchérib, avait envoyé trois de ses généraux pour aller insulter le roi Ézéchias et les habitants de Juda, nous nous rappelons encore des Tartans, des Rabsaré et des Rabshaké. Tartans, Rabsaris ou Rabsaré et des Rabshaké qui avaient insulté dans les langues hébraïques Ézéchias et les habitants de Juda. Éliakim avait dit, puisses-tu parler dans votre langue afin que le peuple ne puisse pas entendre ces insultes. Mais Rabsaris, Rabshaké et Tartan n'avaient pas voulu dire, nous allons vous insulter dans une langue que les autres écoutent pour que vous receviez l'opprobre comme des excréments sur votre visage. Nous nous rappelons encore de ces Éliakim et Ésaïe. Ce jour-là, le roi de Juda avait demandé à Ésaïe de prier Dieu afin que Dieu se révèle, qu'il dise comment s'est comporté devant Sanchérib. Et le prophète Ésaïe avait, face à Éliakim, une vision assez haute. Ésaïe avait loué hautement Éliakim et lui révélant même que l'Éternel l'appelait son serviteur, lui qui n'était que gouverneur de la maison.
de Ézéchias. Alléluia. Dieu peut établir qui il veut. Qui il veut, comme il avait fait avec Jéroboam. Il a fait avec Éliakim. Qui il veut. Tu ne peux pas dire, il n'y en a pas l'étoffe. Tu ne peux pas dire, il n'y en a pas l'équipement. Comme ces jours-là, Gédéon avait demandé à l'ange de l'Éternel, en disant, avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi? Dieu ne regarde pas la force physique, ton savoir, tes connaissances, ta science, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, alléluia. C'est par mon esprit, j'ai été abondamment béni ce matin, quand j'ai écouté l'homme de Dieu qui parle avec autorité et puissance de la part de l'Éternel. Le pasteur Joseph Kambaji qui parlait du Saint-Esprit. Oh combien, quel message édifiant. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Alléluia. Eliakim, j'ai dit, qui veut dire, Dieu veut établir. Je voudrais dire encore à quelqu'un, si tu ne le sais pas, Dieu veut établir. Mais le deuxième concept, c'est ce verbe vouloir. Et quand cela s'applique à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire quand cela s'applique aux hommes? Qu'est-ce que cela veut dire? Le verbe vouloir, est-ce que ces verbes s'appliquent de la même manière à Dieu qu'aux hommes? Vouloir, c'est avoir la volonté. Vouloir, c'est avoir la ferme intention. C'est se proposer à quelque chose ou consentir à faire quelque chose. C'est être d'accord. C'est accepté, c'est approuvé, c'est désiré, acquiescer, accéder, cautionner. Vouloir, c'est aussi donner son quitus ou donner son aval. Mais quand il s'agit de l'Éternel, ce verbe vouloir s'entend d'une autre manière. Quand il s'agit de Dieu, cela veut dire ordonner. Quand il s'agit de Dieu, cela veut dire dicter. Cela veut dire imposer. Parce que la volonté de Dieu s'impose. Parce que la volonté de Dieu, c'est commande. Quand cela s'agit de Dieu, c'est décréter. Quand cela s'agit de Dieu, c'est une prescription. Je voudrais rapidement parler de la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. L'homme Dieu dit... L'homme peut dire « je veux » et Dieu dit « je veux ». Est-ce que cela peut se comprendre de la même manière quand Dieu dit « Dieu, je veux établir » Les psalmistes, dans le psaume 115, nous éclairent là-dessus. Dans le psaume 115, le troisième verset, le psalmiste est très explicite là-dessus. Le psalmiste dit « ce que Dieu veut, il le fait ». Ce que Dieu veut, il le fait. Il voulait dire ce que Dieu veut, il a le pouvoir de le faire. Il voulait dire ce que Dieu veut, il a le moyen de le faire. Ce que Dieu veut, il a la capacité de le faire. Cela est différent de l'homme. Le psalmiste dit ce que Dieu veut, il le fait. Il dit dans le psaume 115, le verset 3, notre Dieu est au ciel. Il fait tout, tout, tout ce qu'il veut. Il n'y a pas une quantité, il n'y a pas une portion, il n'y a pas un pourcentage de ce qu'il veut et qu'il ne peut pas faire. Je voulais faire un certain nombre de choses, mais voilà, les conditions, les contraintes, l'environnement ne m'ont pas permis de réaliser tout ce que je veux. Mais néanmoins, j'ai pu faire un certain nombre de ces choses-là. Mais ce que Dieu veut, il est fait, tout ce qu'il fait. Il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Je dis encore à quelqu'un, ce que Dieu veut, il le fait. Il fait tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de limites. Il n'y a pas de restrictions. Il n'y a pas d'empêchement à ce que Dieu veut. Tout ce qu'il veut, il le fait. Alléluia. Et quand Dieu dit, je veux établir, il en a le moyen. Il y en a le pouvoir.
Nous, quand nous voulons, nous attendons les opportunités. Quand nous voulons quelque chose, nous attendons les occasions pour le faire. Dieu lui-même crée les opportunités. Il va faire asseoir Esther. Dieu crée les opportunités. Vas-y, va désobéir. J'ai dit à quelqu'un, vas-y, va désobéir. Dieu lui-même crée les opportunités. Pour amener Israël en Égypte, Dieu lui-même crée les opportunités. Le psalmiste est clair là-dessus. Il dit, il appela la famine. Dieu appela. Il coupa tout moyen de subsistance. Nous pour faire, nous dépendons des conditions, de l'environnement, des opportunités. Dieu ne dépend de rien si ce n'est de lui-même. Quand il veut faire, il le fait. Alléluia. Et j'ai dit à quelqu'un, Dieu veut t'établir. La volonté de Dieu, la volonté de l'homme. Job dit dans le 23e chapitre, le 13e verset. Job chapitre 23, le verset 13. L'Éternel dit ceci. Voici les témoignages de Job. Job dit, la révolution de l'Éternel est arrêtée. La résolution, sa décision, ses arrêts, ses décrets. Parce que la volonté de Dieu, je l'ai dit, ça se décrète, ça s'impose. Il dicte sa volonté. Il n'a pas besoin du consentement que nous puissions voter et délibérer à la majorité. Nous disons, la majorité a opté Dieu, non. Sa volonté. Il dicte sa volonté. Alléluia. Job dit, sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? J'ai dit, qui s'y opposera? Il dit, j'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Esaü. Mais Dieu, ils sont issus de même entrailles. Quel est mathématiquement, comment as-tu calculé la limite, la racine carrée, la dérivée de cette fonction pour aboutir à une telle conclusion? Nous pouvons refaire les calculs et vérifier la véracité de ton équation. Dieu n'a pas besoin de cela. Il ne calcule pas des limites, des définitions pour dire sa définition, ses limites a-t-elle étendue. Il ne calcule pas des dérivées puisque tu as dit non. Il les dit. Alléluia. Et Job ajoute ce que son âme désire. Il exécute. Ce qu'on a, son âme désire, il exécute. Ce qu'il veut faire, il le fait. Alléluia. Lorsque Dieu va rejeter Saül, il va l'envoyer dans la maison d'Isaï, rendre un des fils d'Isaï pour être roi. Dieu pouvait dire, il y a un aîné. Selon les lois humaines, s'il faut bénir, on commence par l'aîné et puis on suit. Bon, les cadets, on verra s'il y aura encore le temps qu'on arrive à lui. Certainement, Samuel était animé par le même sentiment. Et lorsqu'il se rend chez Isaï, il voit Eliab venir, dit « Certainement loin de l'Éternel est devant moi. » Quel engambé, quelle prestance. Dieu dit non. Il pouvait même discuter avec Dieu. Dieu dit « Mais tu m'as envoyé chez Isaï, n'est-ce pas ?» Oui. Eliab n'est-il pas fils d'Isaï ? Oui. Hello. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Il fait ce qu'il veut. La volonté de l'homme est limitée. Les Proverbes 19, verset 21 dit, Proverbe 19 dans son 21e verset dit, Proverbe 19 dans le 21e verset, la Bible dit, oh, vous ne me suivez pas, je pensais qu'on était ensemble. Proverbe 19, 21e verset, la Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, des désirs, des aspirations, des soucis, des projets, des projections, des planifications. Beaucoup.
Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Il voulait dire, l'homme a des projets. Il planifie, il projette, il organise, il équilibre son bilan. Il dit, voici ce qui arrivera. Il y en a beaucoup. Son bloc-notes est rempli de projets. Tel qu'il a été enseigné en gestion financière, en entrepreneuriat comme on l'a enseigné. Il a appris la gestion financière à long terme. C'est comment planifier. Il dit, voici la survenance de tel événement, voici je ferai. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Je suis en train de dire le dessein de l'Éternel. Le dessein de l'Éternel s'accomplit. Ce que Dieu a décidé, c'est ce qui va arriver. Et Habacuc chapitre 2, verset 3 dit, c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, la promesse de l'Éternel s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Et est-ce que quelqu'un me suit? Peu importe le temps. Peu importe le temps, même si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Les desseins de l'Éternel ne manquent pas de s'accomplir. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni les fils de l'homme, pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il le fera. Et l'Épître aux Hébreux dit, retenons fermement à la profession de notre confession, parce que celui qui a fait la promesse est, il est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Et dans les desseins de l'Éternel sont tellement élevés. Tellement élevés que nous les hommes, nous n'arrivons pas à les saisir ni à les comprendre. Le prophète Esaïe dit dans Esaïe, le chapitre 55, le verset 8. Esaïe chapitre 55, verset 8. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et il dit, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et le verset 10 apporte une autre dimension dans cette prophétie d'Esaïe. Il dit, comme la pluie et la neige ne descendent des cieux, et n'y retourne sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il dit, ma parole ne sort jamais sans effet. Il dit, ce qui sort de ma bouche n'a jamais été sans effet. Et par analogie, il utilise cette allégorie, il dit, comme la pluie et la neige ne descendent des cieux et n'y retournent sans avoir arrosé, sans avoir fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur du pain à celui qui mange. Il dit, ainsi en est-il de ma parole. Alléluia. Vous, ce que vous dites, ça peut ne pas se réaliser. Ce que tu projettes peut ne pas se réaliser. Tes visions peuvent ne pas se réaliser. Tu es un homme de vision. Dis-moi, je suis un homme de vision. J'ai la vision de l'aigle. Tes visions peuvent ne pas se réaliser. À la différence des voix, des pensées, de la volonté de ce que Dieu a. Et c'est ainsi qu'il dit,
Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas mes pensées, autant que le ciel sont élevés. Dit de même, par cette allégorie, dit, comme la pluie et la neige ne descendent des cieux, nous n'allons pas comprendre. Chez nous, il neige pas. Et donc, cela ne nous concerne pas. Il dit, pour vous, c'est la pluie, pour les autres, c'est la neige. Ne descendent des cieux. Il n'y retourne pas. Quand ça vient, ce n'est jamais sans effet. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est jamais sans effet. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu, elle est supérieure, elle est élevée. Et Dieu a décidé, il a pris cette résolution de bénir. Dieu a pris cette résolution d'établir, de donner la royauté, la supériorité. C'est même Dieu a dit par Jérémie, un texte que nous connaissons, dans Jérémie chapitre 19, verset 11. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu sait ce qu'il a formé pour toi, mon frère, ce qu'il a formé pour toi, ma soeur. Alléluia. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et pour te donner de l'espérance. Alléluia. Le troisième concept, c'est établir. C'est le verbe établir. Dieu veut, il a la volonté, la détermination de le faire. Et ce qu'il veut, il le fait. Alléluia. Le psalmiste l'a dit, ce qu'il veut, tout ce qu'il fait, il le veut, tout ce qu'il veut, il le fait. Établir, c'est nommer à une fonction. Établir, c'est donner une position sociale. Établir, c'est mettre en place. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va faire sa mise en place. Et dans la mise en place de Dieu, Dieu va t'établir. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va t'établir. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va te titulariser, Dieu va te promouvoir. C'est ce qu'il veut. Il te regarde, il dit, tu as assez demeuré sur cette montagne. Tu as trop traîné dans cette position. Tu étais en train de tourner. Il dit, le temps de l'élévation est arrivé. J'ai dit à quelqu'un, le temps de l'élévation est arrivé. J'ai dit à quelqu'un, le temps d'établissement est arrivé. Le temps de la titularisation est arrivé. Le temps de la promotion est arrivé. Tu as assez longtemps tourné sous cette montagne. Dieu ne veut pas te voir tourner en rond. Dieu ne veut pas te voir tourner en rond. Lève-toi, pars. Tu dois passer le torrent de l'orne. Tu dois traverser les torrents et aller de conquête en conquête. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, il te faut maintenant traverser le torrent et aller de conquête en conquête, parce que Dieu veut t'établir dans la supériorité. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va te promouvoir, il va te caser. Lorsqu'on citera les grands dans ton domaine, quel que soit ton domaine, tu seras parmi les grands. Lorsqu'on parlera des grands dans ton domaine, que ce soit dans l'art, dans le métier que tu exerces, dans ta profession, quand on parlera de grands, Dieu veut que tu sois parmi les grands, il veut t'asseoir parmi les grands. Il veut t'instaurer, t'instituer, te frayer un chemin, que tu rentres parmi les grands. On ne citera pas trois grands dans ton domaine sans qu'on ait manqué de citer. Es-tu sportif, tu seras parmi les grands. Tu es chanteur, tu seras parmi les grands. Tu es artiste, tu seras parmi les grands. Tu es prophète, tu seras parmi les grands. Dieu te veut parmi les grands. Tu as assez demeuré sur cette montagne. J'ai dit à quelqu'un, Dieu veut t'établir. Quand Dieu avait décidé de guérir ces malades de la piscine de Bethesda, il a modifié les règles. Parce que cet homme-là, 38 ans après, je ne sais pas si on peut avoir un garde malade. Pendant 30 ans, les enfants sont nés, ils se sont mariés. Babo Tibana Bakoli, Basisi Université. Dit certainement, il n'a pas de garde malade. D'après les règles, il ne sera jamais guéri. Il a dit, je n'ai personne. Il n'a plus souvenir. Il n'a même pas dit, je n'ai plus personne. Le temps où il pouvait avoir quelqu'un, cela remonte à un passé qu'il ne pouvait pas s'en souvenir, des passés immémoriaux. Il dit, je n'ai personne.
Il n'a pas dit la personne qui me garde est sortie, il va revenir dans peu de temps. Plaise à Dieu que l'ange ne descende pas dans l'entretemps. Je n'ai plus personne, je n'ai personne. Dieu dit non. Pour atteindre l'objectif, je modifie les règles. Ici, il ne sera plus question que tu te jettes dans l'eau que l'ange a agitée. Mais que le verbe incarné parle et que la chose s'accomplisse. Alléluia. Il dit non, toi tu n'auras plus besoin de te jeter. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Quand Dieu décide, la chose s'accomplit. Alléluia. Il a le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent point, comme si elles existaient déjà. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va t'établir dans ton domaine. Dieu va t'établir. Enfin, son enco, n'albiant enfin son enco. Alors tout l'année, ni n'abîme enfin son enco. Enfin, t'es dit, mais comment cela est arrivé? Dit, mais il y a un Dieu dans le ciel. Quelqu'un a même dit, fallait que je la tourne en gars. Alléluia. Tu étais le dernier. Je dis non, passe devant. Oh, je dis, cela ne dépendra pas des règles des hommes. Ils sont tous bambiaka, ancien. Chômage en moyenne à 4 ans. Petit coué les laté. Ils sont tous là. Non, tu côtes ça, demande. Dieu va renverser ces règles-là. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu va renverser les règles. Il ne sera plus question d'avoir dit non, moi j'ai passé autant d'années. Moi je suis un ancien. Dieu va t'établir. Et je le dis encore, Dieu va t'établir dans le coup. Il ne demandera la vie de personne. Dieu a pris cette résolution. Sa main est étendue. Je dis à quelqu'un, la main de l'Éternel est étendue. Qui la détournera? J'agirai. Qui s'y opposera? Dans Jérémie chapitre 5, dans le premier verset, juste la partie A, j'aime beaucoup cette partie-là. Jérémie chapitre 5, dans le premier verset. Le Tibisoto bandana marcheur depuis Kala. Quand tu es commerçant ici, après quand tu es élevé, tu commences à aller acheter les articles à Beni, Boutembo, et puis tu passes à l'échelon suivant, tu commences à aller à Kampala, et l'échelon suivant, tu commences à aller à Nairobi. Et l'échelon suivant, tu commences à aller à Dubaï. Et puis l'échelon suivant, tu commences à aller à Guangzhou. Et puis quand on commence le commerce, on fait les groupages. On prend un conteneur, on est à 8 à 10. Et puis non, non, moi je ne passerai pas par ces échelons-là. Je vais commencer à Guangzhou. Petit, ce que tu dis, cela ne s'est jamais passé. Ce que tu racontes n'est jamais arrivé. Petit Zéla ou ça la combo, Zéla. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Quelqu'un qui m'écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? J'ai dit à quelqu'un, Dieu veut établir. Jérémie chapitre 5, le premier verset dit, parcourez les rues de Jérusalem. Parcourez les rues de Kinshasa. Parcourez les rues de Kinshasa. Regardez. Informez-vous. Cherchez dans le place. Si s'y trouve un homme, s'il y en a un. Dieu cherche quelqu'un, alléluia. Le message le plus important dans Jérémie chapitre 5, le premier verset. Dieu est en train de chercher quelqu'un. Quelqu'un qu'il peut élever. Quelqu'un sur qui il va faire couler son huile. Dieu est en train de chercher quelqu'un. Comme ce jour-là, Samuel qui tenait la fiole dans laquelle il y avait l'huile. Il cherchait quelqu'un pour rendre. Eliab est venu, non pas Eliab. Chiméa est venu, pas Chiméa. Abinadab est venu, ce n'est pas Abinadab. Dieu cherche quelqu'un. Alléluia, j'ai dit à quelqu'un, la fiole est déjà remplie d'huile. La fiole est déjà remplie d'huile. Dieu cherche quelqu'un qu'il va établir. Il est en train de chercher. Il parcourt les rues de Kinshasa. Il veut t'élever dans ton domaine, dans ton art, dans ce que tu fais. C'est toi, c'est toi. Tu vas imposer ton nom. Tu vas imposer ton nom. Quand on parlera de tailleur, c'est toi. Quand on parlera de couturier, c'est toi. Quand on parlera des artistes, c'est toi. Quand on parlera de coiffeur, c'est toi. Quand on parlera de chante, c'est toi. Dieu veut t'établir. Il va imposer ton nom. Peu importe le nombre d'années, il n'y a pas de cursus. Il ne faut pas suivre les sentiers battus. Dieu veut qu'établir quelqu'un. Dans 1 Roi chapitre 9, verset 5, il dit, 1 Roi chapitre 5, 1 Roi chapitre 9, verset 5. 1 Roi chapitre 9.
J'ai dit à quelqu'un, il y a un Dieu dans le ciel qui va t'établir, qui va te donner le pouvoir, l'autorité, la royauté, la seigneurie. Il le fera. Un roi, chapitre 9, verset 5, il dit, je t'établirai pour toujours. J'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël. Comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Il dit, je t'établirai, alléluia. Je t'établirai. J'aimerais que nous puissions lire Deutéronome chapitre 28 et puis nous allons prier. Deutéronome chapitre 28, nous allons prier. Le premier verset, je vais prendre la partie B qui m'intéresse. Deutéronome chapitre 28, les premiers chapitres, la partie B qui m'intéresse. La première partie dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que j'ai prescrits aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit dans la partie B? Il est l'Éternel ton Dieu. J'aimerais que nous puissions lire Deutéronome chapitre 28, les premiers versets, la partie B. Il dit, l'Éternel ton Dieu te donnera. Ça sera un don au Koboto Langote. Et dans la Makasi Nayote. Et dans la Bouania Nayote. Dans Maele Nayote. Dans Nguyane Nayote. Et dans le problème, il y a Bozuite. A Kopesa Yo. Et dans l'Ikabo. Alléluia. Il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il te donnera. J'ai dit à quelqu'un, il te donnera. C'est un don. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons élever ces dieux. Tenons-nous debout. J'ai dit à quelqu'un, l'Éternel, ton Dieu, il te donnera. Ah non, on a l'égal à Kokabelayo. Et aux Alalikabo. L'Éternel, ton Dieu, te donnera. Au Kosomba Yangote. Et Alikamba Mbogote. Et Alikamba Mayelete. Et Alikamba Bouaniete. Et Alikamba Bouzite. J'ai dit à quelqu'un, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Quand tu parleras, et on dira, voilà ce qu'il fallait entendre. Il a fait avec Miskaël, Anania et Azaria. Ils étaient 10 fois supérieurs aux Chaldéens, 10 fois supérieurs aux sorciers, 10 fois supérieurs aux astrologues, 10 fois supérieurs aux magiciens. J'ai dit à quelqu'un, l'Éternel te donnera la supériorité. Il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Cette promesse est pour toi. J'ai dit, cette promesse est pour toi. Tenons-nous debout. Élevons ces dieux qui est dans le ciel. Il y a un Dieu dans le ciel. C'est Dieu qui est dans le ciel. Il fera cela. Il a décidé. Sa main était tendue. Personne ne la détournera. Il a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? La main de l'Éternel est étendue. Qui la détournera?